Voilà, on va le faire avec le son, ça va être beaucoup mieux. Bonjour à toutes et à tous, je suis Franck Payen et j'ai complètement oublié de rallumer mon micro avant de démarrer. Euh, nous allons être ensemble pour une petite heure, pour une session live sur la chaîne YouTube Adobe Franck. Bonjour à toutes et à tous, je suis Franck Payen et j'ai complètement oublié de... Hop, voilà, et on va le faire comme ça sans écho, j'ai oublié aussi de couper cette chose-là, c'est un peu n'importe quoi ce matin c'est pas très grave euh, aujourd'hui, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, levez la main si c'est votre première, euh, votre premier passage sur nos lives, sur la chaîne YouTube Adobe France, n'hésitez pas euh, à utiliser la zone de chat, on a un petit chat là-bas en bas euh, c'est pour ça que je peux dire bonjour aux uns et aux autres, non Adobe France, pas Adobe Franck, Daniel, même si parfois je me pose la question tellement on passe de temps ensemble, donc donc euh, sur cette chaîne sur laquelle vous pouvez vous abonner, bien entendu, euh, vous pourrez retrouver eh bien, tout un tas de petits contenus. Et nos contenus euh, traiteront notamment eh bien, des actualités autour des produits, traiteront des flux de production dans différents métiers, dans les différentes branches, que ce soit l'illustration, la photo, le graphic design comme aujourd'hui ou l'animation et la vidéo. Euh, N'hésitez pas, par contre, vous avez des coupures de son, Daniel, est-ce que c'est vous Est-ce que c'est tout le monde un petit oui, un petit non, ah voilà. Au top du côté d'Alexandre, donc euh, Daniel peut-être recharger votre navigateur. Ici en termes de connexion, ça a l'air de très bien se passer. Donc logiquement, ça devrait, euh, ça devrait tourner euh, comme euh, raisonnablement au top. Oh là, voilà. Merci Daniel à tout à l'heure. Euh, donc, euh, sur nos sujets, eh bien, voilà, on, va, on va aborder pas mal de choses. Aujourd'hui, spécifiquement, on va retrouver un petit sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est derrière moi, là, de ce côté-là, c'est InDesign, et en plus petit, euh, encore plus caché, mais il faudrait que je saute de mon siège, euh, ça va être Adobe Stock, euh, qui est une, non seulement une banque d'images comme on la connaît, mais une énorme source d'inspiration, et donc j'avais envie de partager ça avec vous. Au niveau des contenus, on verra donc dans un premier temps comment on on est capable d'intégrer du contenu euh, du contenu visuel sur nos <coughs> du contenu visuel pardon sur nos présentations. On verra ensuite <coughs> quel et comment on va faire pour mettre en place des présentations pertinentes euh, et qui, soient, qui nous permettent de réutiliser tout ce qui va être style, tout ce qui va être objet. Parce que ça va être en fait le nerf de la guerre pour beaucoup d'entre vous, lorsque vous allez vouloir réaliser un travail et ne pas recommencer à chaque fois. Je pense notamment à des gens qui ont à faire, par exemple, des appels d'offres ou autre, et il faut revenir renouveler un petit peu la présentation. Il faut faire une présentation qui soit dynamique, qui soit élégante, mais on n'a pas non plus tout le temps pour refaire de la création. Donc on va voir comment on peut créer ce squelette et le réutiliser. Et puis on verra derrière comment on est capable de le visualiser et de l'exporter. Euh... Tadadam. Et je vois que ça discute dans le chat, la voix de Franck est très drôle, un peu comme sous azote, quand on est en x de oui, hein, pas, pas quand on est en temps normal. Donc, nous allons démarrer tout de suite sur la première partie. Première partie intégrée du visuel, du contenu visuel, et notamment via Adobe Stock. Rassurez-vous, on ne va pas faire que du Adobe Stock, mais ça va faire partie un petit peu de, de ce contenu, parce que j'avais envie, justement, de vous présenter un petit peu tout ça. Donc, euh, je vais vous partager mon écran. Check, check, check. Voilà. Bienvenue chez moi. Helium, ouais, c'est ça, Helium, pas azote. Hein. Pas, je suis pas sûr que ce soit très bon pour la... Pour la santé l'azote à haute dose euh, aujourd'hui donc euh, parmi les, les sujets qu'on va voir ensemble comme je vous ai dit on va travailler donc sur adobe stock petite euh, question qui ici connaît adobe stock voilà stock.adobe.f.com fr euh, qui est euh, comme vous le savez je l'espère, une petite banque d'images au départ. Sauf que de banque d'images, on s'est rendu compte que les utilisateurs n'avaient pas besoin uniquement d'images, ils avaient besoin certes de contenu photo, mais ils avaient besoin aussi de plus en plus de contenu vidéo, ils avaient besoin de travailler peut-être sur des images qu'on appelle éditoriales. Éditoriales, ça va être plutôt du contenu, je dirais, presse. Quand vous avez besoin de parler d'un événement, d'actualité, de sport ou de divertissement, c'est là-dedans que vous allez pouvoir aller piocher. Oui, oui, il y a ça aussi sur Adobe Stock. On a du contenu qui est dit premium, premium parce que eh bien, il, a été, euh, il y a eu une, une curation, une recherche, une, euh, un choix justement sur les photographes, sur les visuels encore plus poussés que celui des collections classiques. Et du coup, ça vous permet de retrouver des euh, contributeurs recommandés, des portfolios vraiment exceptionnels, qui vont pouvoir donner un petit peu plus de sens à vos images. Donc voilà un petit peu le genre de choses que vous allez retrouver dessus. Vous retrouverez aussi du contenu qu'on appelle 3D, parce qu'on a désormais dans l'univers Adobe un outil qui s'appelle Adobe Dimension, sur lequel on peut intégrer de la 3D. On avait aussi, et vous le connaissez sans doute, Adobe Fuse, et, euh, et l'utilisation de contenu 3D à l'intérieur de Photoshop par exemple et eh bien on va pouvoir dans ce contenu 3D retrouver des éléments 3D que ce soit des formes des éclairs des modèles des éclairages ou des matières que vous pourrez utiliser par la suite à l'intérieur de vos scènes à l'intérieur d'Adobe Dimension donc ça ça va être un autre sujet c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui aujourd'hui je vais plutôt m'attacher aux templates les modèles alors vous allez me dire des modèles pourquoi je fais très bien le design graphique d'abord dans un premier temps pour trouver de l'inspiration trouver peut-être des idées vous allez retrouver des modèles pour photoshop des modèles de motion design plutôt pour les outils de vidéo des modèles sur illustrator mais aussi sur indesign et quand on va regarder parmi les modèles d'indesign on a évidemment beaucoup d'éléments qui concernent ce qu'on appelle le print et le print c'est quoi eh bien ce sont euh, des magazines des brochures etc mais on voit aussi à l'intérieur des modèles indesign on va retrouver des éléments qui pourront servir pour des présentations. Ici, par exemple, une euh, mise en place pour une carte postale. Mais on voit bien qu'on est dans un écran, on commence à être déjà à l'horizontale. Je ne sais plus si les, euh, voilà, si les, les sous-catégories me permettent de retrouver des, euh, ce genre de page. Mais ici, par exemple, j'ai une présentation. Je vais pouvoir lui demander de regarder le contenu pour voir un petit peu de quoi il s'agit. Euh, je vais pouvoir choisir euh, si les contenus, la mise en forme m'intéressent. Oui. Un, une présentation plutôt imprimée je pense vu qu'on a du texte en relativement petit mais malgré tout on va retrouver des traits communs euh, aux présentations qu'on souhaitera utiliser par la suite euh, par exemple et eh bien des titres qui sont utilisables qui sont stylés avec déjà des espacements des filets avec euh, des éléments reconnaissables des éléments sur lesquels vous allez vouloir placer vos propres contenus et puis des gammes de couleurs ici qu'on retrouve tout le long de la présentation que ce soit dans la couleur du titre que ce ce soit dans la couleur des éléments, des pictos, etc. On voit aussi que sur ce genre de présentation, bah oui, on va avoir des petits pictogrammes. Et ces pictogrammes, on pourra aller les alimenter eh bien, euh, via Adobe Stock, par exemple, euh, de la même manière au niveau de la base de la banque de données d'images. Et dans les images, eh bien, on pourra rechercher par exemple, euh, on va rechercher, qu'est-ce qu'on va rechercher Des pictos. Voilà, hop, pictogramme. Et quand je vais rechercher des pictogrammes, et eh bien je pourrais filtrer. Et je pourrais filtrer en lui demandant spécifiquement d'aller chercher des illustrations ou des vecteurs. Et si j'ai des vecteurs, je sais que ce sera des choses que je pourrais utiliser à l'intérieur euh, d'InDesign, les placer, éventuellement les remettre en couleur et en forme par rapport à ce qui m'intéressera. Donc voilà un petit peu le genre de choses que l'on va euh, mettre en place aujourd'hui. Euh, la raison pour laquelle j'ai choisi InDesign, c'est tout simplement parce que lorsque moi j'ai à préparer des contenus... Euh, de présentation, typiquement les visuels que je présente pour vous. J'essaye de le faire dans InDesign, ça me simplifie beaucoup la vie, ça me permet par exemple euh, de préparer plusieurs éléments, plusieurs mises en place de contenu, de préparer des bouts de page. Ici j'ai préparé pourquoi pas un planning, pourquoi pas euh, une page de couverture et on va voir comment on va fabriquer ça ensemble et comment on va se simplifier la vie. Allez, on prépare tous ensemble, donc je vais créer un nouveau document, nouveau document, et ce document, puisqu'il est destiné à être vu sur des écrans, je ne vais pas partir sur le mode impression, parce que le mode impression il va me permettre d'avoir des millimètres. Or, les millimètres, euh, vos écrans ont tous des tailles différentes, euh, des nombres de pixels différents. Par contre, on peut réfléchir en termes de web ou de mobile. Mais lorsqu'on va sur le web et le mobile, on va avoir surtout les, les formats iPhone au départ, parce que c'est ceux sur lesquels euh, ils avaient l'habitude de préparer des contenus. Par contre, quand on regarde euh, un petit peu plus bas, vous voyez qu'on retrouve le Google Pixel Pixel 2 qui a une résolution 1920 par 1080. Alors, c'est exactement la résolution... Euh tourner en deux ce que je souhaite utiliser pour un écran. Donc je vais partir sur celui-là, mais je vais lui dire que je veux pas du 1080 1920 en vertical mais je le veux en horizontal. Alors vous allez me dire pourquoi tu choisis ça, pas juste pour le regarder sur un téléphone portable, mais principalement parce que les vidéoprojecteurs que vous allez trouver seront soit en 1280-720, soit en 1080, le fameux Full HD qu'on retrouve de plus en plus euh, sur, nos, sur nos télés notamment. Et donc vous allez pouvoir utiliser ça. Et je vous parle de vidéoprojecteurs, mais évidemment lorsque vous êtes dans des salles de réunion qui sont équipées de téléviseurs grand format. Ou de moniteur grand format, vous pourrez utiliser votre contenu là-dessus. Ce qui sera intéressant pour nous aussi, c'est de se dire que lorsqu'on va démarrer ce contenu, eh bien on va réfléchir aussi au positionnement des objets sur la page. Et le positionnement des objets sur la page, ça va tenir à plusieurs choses. D'abord, nos pages ne sont pas en vis-à-vis. -vis. On ne va pas préparer un ouvrage. On, va, euh, on ne va pas utiliser de bloc de texte principal parce que comme il ne s'agit pas d'un livre sur lequel le texte coule de page en page, ça a peu d'intérêt. Par contre, ce qui sera intéressant pour nous, c'est de réfléchir correctement dès le départ aux marges de notre document. Ici 36 pixels tout autour, ce sont des petites marges mais qui nous permettent de ne pas trop gâcher d'espace. On va avoir enfin de quoi préparer des colonnes et vous allez me dire mais pourquoi des colonnes, j'en ai peut-être pas besoin pour ma mise en page. Moi je vais m'en servir tout le temps et je vais en mettre euh, régulièrement entre 4 ou 6. Pour pouvoir diviser mon espace et pour facilement placer des blocs pour que ma présentation soit utilisable euh, soit réutilisable dans différentes configurations si je mets euh, quatre colonnes euh, je vais pouvoir faire une colonne plus trois ou je vais pouvoir faire deux plus deux ou complètement la page en entier si je mets six colonnes eh bien je vais pouvoir faire des, euh, des tiers je vais pouvoir retrouver tout ça sur mon écran d'ailleurs c'est peut-être le choix que je vais faire aujourd'hui ce sera un tout petit peu encombré sur la page, mais ça me simplifiera la vie par la suite. Et un truc que j'ai pas fait avec vous, c'est que j'ai pas coché la case aperçue. Oui, la case aperçue, lorsqu'on crée un nouveau document dans InDesign, elle est revenue et elle va nous être bien utile parce qu'on va pouvoir voir justement euh, <coughs> nos quatre colonnes. Quatre colonnes, voilà, je vais pouvoir diviser en quarts. Six colonnes, je vais pouvoir utiliser ici un tiers de la page, un autre tiers, un troisième tiers. Ça va vraiment me simplifier la vie par la suite. Et comme je n'ai pas l'intention du tout de commencer ce réglage à chaque fois je vais tout de suite créer un paramètre prédéfini à l'intérieur d'InDesign et ce paramètre prédéfini eh bien je vais aller le, le mettre en place et l'appeler par exemple présentation hd 6 col 36. Et pourquoi 36 Pour les 36 pixels, ça me permettra de retrouver les marges assez facilement. J'enregistre donc mon paramètre prédéfini. Je le retrouve ici et je vais pouvoir par la suite le, le créer créer donc ce premier document. C'est bon pour vous, c'est pas très très compliqué au départ, mais je me dis que ça peut toujours servir d'avoir accès à ce genre de, de contenu. Ce qui va nous intéresser là-dedans, c'est par la suite d'utiliser eh pour ma présentation un thème récurrent. Ça pourrait être une image de fond, ça pourrait être euh, un visuel, ça pourrait être une marque très très forte. Et ce qu'on va faire sur nos présentations, en fait, c'est qu'on va utiliser un des panneaux les plus importants pour moi d'InDesign, qui est le panneau de pages. Ici, je vais masquer un petit peu tout le reste, voilà. Pas de contour, pas de nuancier. Je vais m'occuper uniquement des pages. Et ce que je vois sur mon contenu, d'abord, il me dit que le format, c'est format Google Pixel, ça c'est pas très grave. Je vais lui demander par ailleurs de d'afficher mes pages, non pas par variante de mise en page, mais horizontalement, comme ça je les verrai les unes après les autres. Ce que je vais voir ici, c'est que je peux à tout moment sur cette présentation rajouter des pages. Alors, si je diminue, j'ai une seule page, je peux éventuellement cliquer ici pour ajouter une deuxième page, je peux passer dans le menu page et découvrir que je vais pouvoir ajouter une page ici commande majuscule P ou contrôle majuscule P. Et quand je rajoute des pages, ben évidemment, je les retrouve ici. Elles vont s'ajouter. Ce qui sera intéressant pour moi, c'est que toutes ces pages, comme vous pouvez le constater ici, elles ont un petit A dans leur nom. Et ce petit A correspond au gabarit A. Et si je crée mes pages avec un gabarit, eh bien, c'est tout simplement parce que je ne vais pas reproduire à chaque fois les contenus. Toute la mise en place de mon document dans InDesign va se faire sur le gabarit. Ici, sur ce qu'on appelle les invariants. Les invariants, c'est quoi Eh bien, c'est par exemple mon fond de page. Je décide d'avoir un fond de page qui sera une image. Il faut d'abord que je la choisisse. Comment je vais la choisir Ici, je vais dans mon panneau qui s'appelle les bibliothèques. Si vous n'y avez pas accès, ce qui serait étonnant dans InDesign, c'est de passer par le menu Fenêtre, Bibliothèque, Creative Cloud. Et lorsque vous avez ce panneau qui est ouvert, eh bien, vous allez pouvoir lui demander tout simplement d'aller choisir parmi vos images. Alors, vos images, ce sont peut-être des images qui viennent d'une banque interne. Si vous êtes en entreprise, par exemple, vous avez un achat d'art qui a choisi pour vous des images qui correspondent à la charte de l'entreprise, qui correspondent aux ambiances de ce qu'on veut mettre en place. Ici, par exemple, je souhaite avoir... Je vais traiter peut-être de la ville. Et si je traite de la ville, eh bien, j'ai déjà des images qui sont prévues pour moi. Comment je les retrouve Comment j'ai trouvé ces images Dans mon panneau bibliothèque, je peux faire des recherches. J'ai une petite Petite flèche ici qui me permet de faire des recherches, par exemple dans Adobe Stock, et si je cherche un sujet sur la ville hop, ville, je vais saisir ville ici et je vais avoir les résultats sur Adobe Stock et mes résultats pourront comporter eh bien, des photos des illustrations, des vecteurs, même des, vi des vidéos éventuellement ici il s'agit principalement de photos pour que ce soit vraiment utilisable et je veux une photo qui puisse aller pour du fond et qui soit pas trop complexe euh, pas trop complexe, et eh bien pourquoi pas cette photo avec pas mal de flou euh, des focus blur, ça me va bien, il y a un petit peu de bokeh dessus, c'est assez joli et je vais pouvoir utiliser cette image. Et pour l'utiliser, comme je ne suis pas tout à fait sûr dans un premier temps d'avoir la validation de mon client, je vais tout simplement lui demander de l'enregistrer et d'enregistrer surtout son aperçu. Je zoome pour que vous puissiez bien voir ici les contenus enregistrer l'aperçu dans Ask ou acheter et directement la licence et l'enregistrer directement dans ma bibliothèque. Ici, je vais enregistrer cet aperçu. OK. Et je la retrouve ici. Je la retrouve prête à être utilisée. Lorsque j'utilise une image directement depuis ma banque d'images et que je la pose sur ma page, par défaut, l'image qui est proposée comporte un filigrane. Elle comporte un filigrane. Pourquoi Et eh bien tout simplement parce que peut-être que je souhaite faire valider, faire valider eh bien par le reste de mon équipe, par l'équipe d'achat d'art, etc. Donc, je fais toujours très attention, moi en amont, à utiliser les images telles qu'elles avec le filigrane. Et ce qui sera utile à partir de ça, c'est de se dire dès qu'on a l'accord, dès qu'on a la validation, je n'ai plus besoin par la suite d'avoir ce filigrane. Et surtout, j'ai besoin d'avoir la haute qualité de mon image. Que lorsque je regarde ma présentation en haute qualité, vous voyez, le logo n'est pas tout à fait net, etc. Je vais pouvoir lui demander ici. D'aller prendre cette image, de faire un contrôle-clic ou un clic droit, ou de le faire directement sur l'espace. Si je fais un contrôle-clic ou un clic droit, je peux appliquer une licence à mon image. Si je le suis directement sur ma page, j'ai une petite icône de caddie ici. Je vais pouvoir cliquer sur le petit caddie, appliquer une licence à l'image, et lorsque j'aurai fait ça, je lui dis OK. Et je vais utiliser mon image. Mon image va se charger, vous le voyez ici, elle s'est chargée et elle va être remplacée directement sur ma page. Lorsque je regarde maintenant, j'ai bien mon image en haut de def que je vais pouvoir réutiliser. Alors je vois qu'il y a des petites questions. Je vois qu'Alexandre nous a mis quelques liens depuis Stock, depuis l'application Adobe Stock, euh, ad depuis l'application Creative Cloud. Une petite question de Daniel, est-ce que à partir de cette présentation en Full HD, je pourrais faire une version en 4K Si oui, comment Et est-ce que les mises en page liquides répondraient à ce besoin ou pas Tiens, c'est une bonne question. Alors pour le redimensionnement, si jamais vous vous rendez compte, mais je ne vais pas le faire dans ce sens-là, je vais plutôt le faire dans le sens descendant. Vous venez de créer votre mise en page et toute votre mise en page est basée sur le format du document. Menu Fichier, Format de document et le format de document de départ c'est le format 1920-1080. Et vous dites, oui, mais en fait j'ai besoin d'avoir une autre version de mon document. Je peux lui demander via le menu Page de traiter la mise en page liquide et je peux lui demander ici au niveau des pages. Voilà. Mise en, page, euh, mise en page liquide, de voir comment on va pouvoir redéfinir les formes de page de mon document. Mais je vais le retrouver aussi ici. Vous voyez ici, j'ai le format euh, Google Pixel 2. Je peux tout à fait lui demander, sur ce gabarit notamment, de convertir mon 1920-1080 en 1280 par 720. Sauf que si je le fais de manière très basique, vous voyez que toute mon image déborde du cadre que j'aurais souhaité lui appliquer. Tout simplement parce que je n'ai pas utilisé de règles de page liquide, alors que pour des formats proportionnels, j'aurais pu lui dire qu'on allait utiliser de la mise à l'échelle. Et donc on va revenir sur le format précédent, voilà, 1920-1080. J'utilise la mise à l'échelle et je lui dis que cette fois-ci, on va passer sur le, euh, sur le format 1280. Par 720 et vous voyez que cette fois-ci je conserve bien mes euh, tous mes réglages donc je vais pouvoir réutiliser ça 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 va être assez euh, assez utile là j'annule un petit peu cette mise en page j'en ai pas forcément besoin dans un premier temps ce qui sera utile ce qui sera intéressant pour moi c'est que je vais aussi pouvoir faire le test ici et pouvoir valider que les formats que, que, je, que je souhaite par exemple le fameux 1280 par 720 correspondent bien à ce que je peux proposer en termes d'image voilà. Donc, vous pourrez le tester, vous pourrez le mettre en place comme ça. On avait commencé sur un gabarit, ça veut dire que ici, lorsque je regarde chacune de mes pages, toutes mes pages comportent cette même image. Cette même image, c'est un bon début, mais ça ne va pas nous aider pour faire toute la présentation. Et en plus, comme vous voyez, c'est assez chargé malgré le flou. Et bien, dans ce cas-là, je vais aller utiliser un, bleu, un, un rectangle, ici, dans mon, mes outils, Outil Rectangle M. Et cet outil rectangle, en fait, je vais aller le placer sur la zone où je pourrais mettre du contenu. Alors attention, je ne vais pas lui demander d'avoir un rectangle blanc avec un contour noir, un euh, transparent avec un contour noir, je vais lui demander directement un rectangle couleur papier, donc le blanc du fond de la page, sans contour. Ce rectangle couleur papier sans contour, vous allez me dire, ok, c'est sympa, mais du coup, c'était un peu gâché d'avoir l'ensemble de, de l'image derrière. Alors je vais l'agrandir un tout petit peu à droite, à gauche. Peut-être que je vais lui demander de le réduire sur la hauteur, voilà. Et surtout, surtout, ce que je vais lui demander, c'est que ce rectangle, eh bien, je vais baisser son opacité. Et ça, on peut le faire assez facilement dans InDesign. Évidemment, il faut le regarder pour voir si on fait le bon réglage. Vous voyez, je baisse un peu l'opacité. Alors, évidemment, 0, je ne vois plus mon rectangle. Et là, je vais la baisser jusqu'à 80%. Ça doit être suffisant pour deviner l'image derrière et pour quand même voir au mieux le contenu de ma présentation. Ça va pour vous alors, est-ce qu'il vaut mieux partir d'une présentation 4K pour la réduire Oui. Alors, euh, Daniel, attention pour les présentations, je vous parlais d'idéoprojecteurs HD au début de la session. Honnêtement, les télé 4K sont relativement rares, les vidéoprojecteurs 4K encore plus et extrêmement chers. Donc j'espère que c'est pas une, euh, j'espère que c'est un, un besoin vraiment technique où on vous a demandé du 4K. Méfiez-vous. Même en, même en vidéo, on propose du 4K, mais c'est uniquement pour les grosses productions pour l'instant. On n'a pas à l'avance le prix de l'image si on la retient. Alors si vous avez à l'avance le prix de l'image, elle est tarifs directement dans les formules. Merci Alexandre. Je reviens sur mon contenu. Pour ceux qui se posent la question, hein, comme on est dans une session un petit peu débutant, initiation, j'ai commencé à, à créer le document et je suis passé via la touche majuscule W en plein écran. Et ça, c'est la manière dont je pourrais très rapidement visualiser mon contenu. Euh, ça, c'est ce que j'utilise tout le temps. Et pourquoi moi, je l'utilise tout le temps Parce que je suis la personne qui réalise les présentations et qui les présente. On a souvent le cas dans les entreprises de gens qui préparent des présentations euh, typiquement sous PowerPoint avec des masques et qui ont besoin de présenter rapidement. C'est pour ça qu'ils utilisent un outil bureautique. Mais euh, leur problématique à eux, c'est qu'ils vont avoir beaucoup moins de finesse et beaucoup moins de qualité sur les réglages qu'ils pourront apporter à leur présentation. Donc on va avoir tendance à leur proposer ça. Une fois que j'ai créé ma première page, eh bien, je vais pouvoir revenir sur les différentes pages de mon document. On a donc vu comment, dans un premier temps, peupler ce, peupler ce premier gabarit euh, et intégrer du contenu visuel via Adobe Stock. On y reviendra quand même un tout petit peu tout à l'heure pour pouvoir placer des vignettes. On va voir dans une deuxième partie comment on va utiliser des styles pour nos textes et pour nos objets. Parce que si je fais une présentation pour mon client, je n'ai pas forcément envie de refaire ma présentation à chaque fois. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir une gamme de typos. Pour choisir une gamme de typos, je vais d'abord la prendre pour mon titre. Euh, le titre de ma présentation, ici j'ai tendance à toujours utiliser un tiers de ma page et je vais appeler ça euh, ma plus belle présentation. Zut, je ne vois rien, je sélectionne tout, commande ou contrôle A, j'agrandis, commande majuscule, point virgule, comme ça vous pouvez vous aussi lire le titre de ma plus belle présentation. Ok, c'est pas mal, mais on peut sûrement faire mieux. D'abord, petit, euh, petit rappel pour tout ce qui est titrail, moi j'ai tendance à décocher la césure. Je décoche la césure parce que sur du titre, c'est pas toujours très élégant. Je vais lui demander aussi de réduire l'interligne. Parce qu'on a augmenté la taille du texte, mais on a laissé l'interligne en proportionnel. C'était sympa, mais moi, ça ne m'arrange pas vraiment. Par contre, je vais m'assurer de bien dégager le contenu pour la lisibilité. Puis là, vous me dites, ouais, ok, c'est pas mal, mais la typo qui a été choisie, elle n'est pas vraiment... Euh, ouais, elle est, elle est classique, la Minion Pro. Puis tout le monde utilise ça. Aujourd'hui, j'ai besoin d'aller chercher autre chose comme typo. Alors, j'ai des typos sur mon ordinateur, mais j'ai aussi des typos via Typekit. Et via Typekit, vous voyez j'ai utilisé, j'ai choisi pas mal de, de typos différentes. Et les typos différentes que j'ai choisies via Typekit, Typekit eh bien, je vais pouvoir les tester. Ici, j'ai de la Haglet, j'ai de la Bree, j'ai de la Bungie, etc. Mais comment est-ce que j'ai choisi mes typos euh, Déjà, petite question dans le chat, est-ce que vous utilisez aussi les typos TypeKit Faites-moi un petit oui, un petit non. Euh, vous m'écrivez TK pour TypeKit et vous me dites oui, je les utilise déjà, c'est facile ou non, euh, pas du tout. Regardez ici, avec votre abonnement Creative Cloud, vous avez moyen de cliquer sur ce petit bouton TypeKit qui va vous permettre de choisir des typos. Me dire ok choisir des typos c'est bien mais est-ce que je vais mettre à chaque fois 25 euros dans une licence de fonte ou plus selon les euh, contenus et en plus je sais pas forcément moi choisir les euh, des très belles euh, des très belles typos et bien dans TypeKit, depuis peu, on a maintenant accès à des packs de polices. Des packs de polices qui vous permettent de choisir euh, eh bien, par rapport à des exemples. Ici, je vais regarder le pack pour le, le design sur écran. Et dans le pack pour le design sur écran, eh bien, on va avoir pas mal de petits contenus. Et puis, on va pouvoir tester les différentes euh, polices. Et on va pouvoir choisir pour chacune de ces polices eh de la synchroniser pour l'ajouter très rapidement à son compte Creative Cloud. Euh, J'aime bien par exemple la Fright Micro Pro Book ou Book Italique. J'aime bien euh, la tablette, elle était plutôt sympa. Non, elle est peut-être un peu commune. La Fright, elle me plaît bien aujourd'hui. Donc on va utiliser ça. Je peux lui demander de synchroniser toutes les polices. Maintenant, ce qui m'intéresserait c'est d'aller les chercher une par une. Donc comme j'y ai accès ici, Fright Micro, je vais cliquer dessus et je vais lui demander de récupérer cette police. Ici il est en train de me charger les 20 fontes. J'étais un petit peu vite dans mon... en besogne sur ça. Je vais pouvoir par la suite voir mes fontes apparaître les unes après les autres. Et maintenant, quand je viens là-dedans et que je lui demande d'aller choisir les typos typekit, eh bien vous voyez que j'en ai encore plus que tout à l'heure. Et celle qui m'intéressait le plus, Flight Micro Pro. Book. ouais je la trouve un petit peu plus classe je trouve qu'elle a un petit peu plus de pêche un peu plus de définition et je vais pouvoir utiliser ça alors type kit oui oui, oui, Typekit c'est génial et en plus c'est cross platform Windows et Mac, donc super pour passer les projets. Alors non seulement c'est cross platform Windows et Mac, mais je vais vous remontrer un petit truc au cas où vous en auriez besoin. Mais lorsque je vais, par exemple, euh... oups, tu vas pas les télécharger deux fois, ça, ça ne m'intéresse pas. Lorsque je vais sur mon pack et que je vais chercher ma Fright Micro Pro, je vais voir que euh, sur cette police en question, Qu'est-ce que je peux voir la police voilà je vois ici le petit contenu ok c'est sympa euh, où es-tu fright elle était là et pouf pouf elle a disparu voilà ici j'ai affiché la famille pour me rendre compte que certaines des polices que je choisis elles sont disponibles soit synchronisées sur les euh, polices de caractères de bureau qu'on va pouvoir réutiliser, soit elles peuvent être ajoutées à un kit et ajouter à un kit qu'est-ce que c'est Ça veut dire que sur votre site internet, vous pourrez utiliser les mêmes polices que sur votre charte, par exemple. Et donc ça, pour moi, c'est primordial. Ça veut dire que euh, je peux préparer en interne via mon abonnement Creative Cloud. Une campagne de communication ou une identité visuelle qui sera cohérente tout du long, en print et en web. Et l'intérêt d'avoir accès à des polices web, c'est que vous allez pouvoir réellement saisir le texte et le texte qui sera saisi sera dans la même fonte. Vous aurez une vraie cohérence de contenu. Ça va pour tout le monde Ouais, le contenu est de qualité, je confirme. Ok, tout va bien. Donc j'ai choisi une typo qui me va bien, je peux choisir éventuellement de la mettre en grande ou petite capitale, peut-être que pas de capitale du tout, ça va nous aider dans un premier temps. Je vais pouvoir choisir aussi peut-être une couleur. Et quand je veux choisir une couleur, euh, il faut que je trouve une bonne idée. Souvent j'ai la couleur de mon logo, mais je peux aussi me dire, tiens, toutes mes présentations vont être en rapport avec l'image que j'ai choisie au départ. L'image que j'ai choisie au départ, vous voyez, on voit un petit morceau ici. Eh bien... Est-ce que vous connaissez l'outil qui s'appelle thème de couleur à l'intérieur d'InDesign Ça, c'est un outil qui, pour moi, est devenu indispensable. Par défaut, il est caché ici, sur le côté, sous la pipette. Et quand mon outil est caché sous la pipette, je peux aller le chercher. Alors, je ne sais plus si par défaut le raccourci, c'est I, ou si c'est moi qui l'ai changé en majuscule I. J'avais l'habitude d'utiliser la pipette pour prendre des attributs de mes contenus. Maintenant, j'ai mis majuscule I pour aller chercher le thème de couleur. Le thème de couleur, en fait, il va me permettre d'aller cliquer sur une photo. Ici, je clique sur cette photo. Et il va fabriquer à partir de la photo. Alors, pardon, comme il n'y avait rien sur ma page et que j'étais sur le gabarit, il n'a pas pris depuis la photo. Je vais l'aider. Je vais revenir sur le gabarit. Et je vais utiliser la touche Alt pour aller piocher les couleurs de la photo. Et vous voyez qu'ici, il a pris... Toutes les couleurs toute la gamme de la photo notamment sur une gamme colorée pour ceux qui ont connu adobe color c'est le même genre d'algorithme qui va se baser dessus Ici, j'ai une gamme colorée qui est intéressante, mais peut-être que je cherche à avoir une gamme un peu plus forte. Et peut-être que ce que je retrouve en bas de ma page m'intéresse un peu plus. Alors, je vais descendre ma gamme pour que vous voyez. Je vais pouvoir zoomer là-dedans et je vais pouvoir lui dire, ben, tiens, avec la touche Option, je vais passer en mode euh, récupérer la couleur et je vais pouvoir récupérer juste dans une petite zone, par exemple. Ici, je vais récupérer que les tons un petit peu jaunes. Je vais l'agrandir, je vais travailler sur cette zone-là et je vais avoir du coup des couleurs qui seront intéressantes pour moi. Intéressante pour moi, mais comment Par défaut, lorsque vous ouvrez un document InDesign, vous avez un nuancier. Ce nuancier est rarement élégant. Vous avez les couleurs indispensables, sans couleur, le repérage, le papier, le noir. Ces couleurs-là, d'ailleurs, on ne peut pas y toucher. On ne peut pas les modifier à part la couleur du papier. Par contre, le cyan, le magenta, etc., c'est des couleurs qu'on va jamais vraiment utiliser. Alors moi, celles-là, je vais avoir tendance à les sélectionner et les mettre à la corbeille. J'ai un nuancier propre pour travailler. Et tout ce nuancier qu'on vient de fabriquer avec mon outil, eh bien, je vais pouvoir l'ajouter en thème coloré à mon contenu. Comme ça, ce, sera, ce seront les couleurs que j'utiliserai sur ma présentation. OK OK, merci pour le, la confirmation. C'est bien majuscule I par défaut. Euh, tant mieux, ça m'arrange, qu'il ne me cache pas mes outils principaux. Je retourne sur ma page 1 et vous allez me dire, ok, c'est bien, mais euh, on n'a pas bien compris pourquoi tu utilisais le thème de couleur. Si c'est juste pour prendre les couleurs, c'est pas mal, c'est un bon début, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus Eh bien, regardez bien, mon thème de couleur, une fois que j'ai choisi mes, euh, mes couleurs, par défaut, c'est chargé ici. J'ai une couleur. Maintenant, je vais pouvoir lui demander euh, au niveau... Oups, ça vibre un petit peu, désolé. Il n'a pas aimé, en fait, que je passe en... Que je passe en grand. Je vais pouvoir lui demander avec les flèches du clavier droite et gauche d'appliquer directement cette couleur. Il va l'appliquer où Il va l'appliquer ici pour l'instant nulle part. Peut-être sur le bloc, sur le fond du bloc. Par contre, quand je survole un texte, eh bien, il va appliquer la couleur principale à mon texte flèche de droite, je vais pouvoir appliquer rapidement ma couleur euh, sur l'ensemble. Et je ne vais plus m'embêter à aller repiocher des couleurs. Je repasse avec n'importe quel outil. Mon outil thème de couleur est toujours utilisable, majuscule I, je le fais réapparaître. Et je pourrai par la suite récupérer, euh, récupérer les couleurs qui sont présentes dans mon thème. Et comme ça, je pourrai les placer. Bien entendu, si vous voulez partager vos couleurs, vous pouvez à tout moment lui demander ici d'aller envoyer ce thème et de l'ajouter à votre bibliothèque CC. Et comme ça, quand je regarderai ma bibliothèque CC, que je regarderai mes thèmes de couleurs, eh bien je verrai les thèmes de couleurs de mon document sans titre, en mode coloré. Ok pour vous Ouais. Perso, je trouve ça super pratique. Donc, j'ai bien ma première présentation, ma plus belle présentation. Je vais pouvoir commencer à travailler un petit peu plus sérieusement. Ici d'ailleurs, je vais lui demander de centrer mon texte, ce sera un petit peu plus élégant. Lorsque je vais créer cette présentation, ben, vous voyez, j'ai choisi une typo de titre euh, qui m'allait bien. Cette typo de titre, je vais en créer un style de paragraphe. Ici, je me mets dans mon paragraphe. Par défaut, je pourrais aller dans le menu fenêtre, style, style de paragraphe pour, pour aller chercher toutes les infos de style de paragraphe. Et. Ici, vous voyez que j'ai un paragraphe standard sur lequel on a rajouté la typo euh, Book Fright Micro Pro, encore 170 et en couleur blablabla. Bla 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 bla. Donc j'ai bien tout ça. Je vais lui demander ici de créer un nouveau style et ce style, ce sera carrément le gros titre. Gros titre avec toutes les, tous les remplacements qu'on a effectués dessus. Voilà, facile. Ce qui fait que maintenant, quand je vais sur la page 2, et que je veux écrire ma première slide. Donc je vais pouvoir lui demander via la touche... Oups. Alors, attendez, est-ce que j'ai bougé Oui, je viens de changer, de pourrir mon titre. Échappe. Toujours faire échappe quand on se déplace pour être sûr de ne pas perturber un, un contenu existant et de faire des raccourcis dedans. Je vais vouloir faire un deuxième, une deuxième slide. Ma, une première slide, pardon. Donc ma première slide... Maintenant, si je souhaite utiliser cette typo, je vais pouvoir venir ici. Je n'ai même plus besoin de mon panneau de style de paragraphe. Je vais pouvoir retrouver ici paragraphe standard. Je clique et je retrouve style de paragraphe 1. Et je vois bien ma première slide. Alors, c'est évidemment très gros. C'est trop gros pour ce que j'ai à faire. Je vais lui demander de réduire ça. 170, c'était beaucoup. On va réduire un petit peu le texte. Voilà, ma première slide, je peux le réduire à peu près. Euh, on parle de slide, hein, donc il faut que ce soit vu de loin par un public pas forcément avec des bons yeux. Je lui demande ici, euh, voilà, 126, 124, 120, c'est pas mal. 120, j'aime bien, je trouve que c'est propre. Et voyez que sur mon panneau de style, il me dit petit plus, parce qu'il y a un remplacement. Et donc je vais lui dire, ici, on va créer un nouveau style de paragraphe et ce nouveau style de paragraphe il est basé sur le précédent la seule différence avec le style de, de départ c'est le corps qui est pas qui est qui est 120 et donc celui là ce sera un euh, titre slide ok je crée cet élément je l'applique à la sélection je n'ai pas besoin de l'ajouter à ma bibliothèque je laisse l'aperçu ok j'ai créé mon titre ok. C'est quoi la différence entre un style de paragraphe et un style de caractère Eh bien, mon paragraphe, c'est tout un bloc, une unité de texte. Par contre, un caractère, eh c'est une lettre. Par exemple, ma première, ça méritait d'ailleurs un accent grave, c'est juste un caractère. Et pourquoi est-ce que j'ai des styles de caractère Eh bien, tout simplement parce que je pourrais lui dire, ben bah voilà, j'aimerais bien pouvoir mettre en... Pouvoir mettre en italique ma première slide parce que c'est pas vraiment ma première slide, j'en ai fait un petit peu avant donc je vais chercher mon book italique, je l'ai mis en italique. J'ai pas tout le texte en italique, j'ai juste quelques caractères et donc quelques caractères. Ici, je vais avoir exactement comme les options de style de paragraphe des options de style de caractère et là, je vais pouvoir lui dire là, ça va être du italique. La seule différence avec le texte normal c'est que on a du normal ou du book italique et je vais bien entendu l'appliquer à la sélection, comme tout à l'heure. Je peux ou pas l'ajouter à ma bibliothèque, ici j'en ai pas besoin, mais je retrouve bien ce contenu-là. Et ça va me permettre de faire des variantes dans mon contenu, parce que c'était évidemment pas ma toute première slide, vous en êtes bien douté. Je viens ici, entrer. Je vais avoir peut-être un petit peu plus de contenu pour rentrer du, du renseigner du contenu de maquette, le temps de préparer ma présentation. Texte, insérer du texte de substitution. Et là, il me le met en très gros. Alors, on va réduire un petit peu tout ça. N'oubliez pas un truc super important sur vos présentations, c'est qu'on va parler de hiérarchie. On va avoir une hiérarchie des informations. Là, le 60, il est suffisant. Par contre, il faut évidemment mettre un, un interligne. Qui soit suffisamment euh, réduit mais qui laisse de la place parce que cette présentation elle va être vue de loin donc euh, ici 80 ça m'a l'air pas mal et euh, en termes de couleurs et eh bien j'ai peut-être pouvoir changer de couleur partir dans une gamme voilà comme les rouges qu'on avait ici je vais travailler sur un nouveau style de paragraphe donc je viens ici et je vais lui dire ici nouveau style de paragraphe et comme tout à l'heure il se base sur le titre des slides et donc ça va être le corps 60 l'interligne 80 et cette couleur là et donc je vais l'appeler cette fois-ci corps slide on avait le gros titre, on avait le titre slide, on a le corps slide. Je l'applique à la sélection, je valide bien ce contenu, et quand je vais remplir avec mon texte de substitution, bah, j'aurai bien le contenu de ma slide qui sera très lisible. Ok pour vous J'ai besoin de tester ça, majuscule W, et je viens de réaliser ma première slide. Et je veux me déplacer sur la slide du dessus, pouf, flèche du haut, flèche du bas, et je navigue dans mon document. Est-ce que c'est bon pour vous ça Ouais donc, on est vraiment sur une initiation, j'avais vraiment envie de vous présenter le genre d'outils qu'on allait pouvoir utiliser à l'intérieur d'InDesign. Donc, si on prend notre contenu, je vous ai dit d'abord intégrer le contenu visuel via Adobe Stock, ensuite des styles pour nos textes, mais aussi pour nos objets. Donc, je vous repartage mon écran. Pourquoi je vous parle de style d'objet Par exemple, vous voulez présenter votre équipe, euh, donc vous allez faire, vous allez prendre votre slide, la slide que vous venez de, de créer, et euh, sur la slide que vous venez de créer, hop, pardon, on se cale, on se cale sur les repères, sur les objets, tout va bien. Sur la slide que vous venez de créer, ben, vous allez créer une slide exprès pour votre équipe. Donc, vous pouvez à tout moment saisir un objet, passer dans le menu édition, le copier, et sur la slide suivante lui demander édition coller sur place. Ça vous permet de remplacer directement. Et donc là, je vais lui écrire mon équipe de choc. Alors, de choc, j'ai envie de le mettre euh, un petit peu de manière ironique. Je vais aller chercher un style de caractère. Je viens ici dans mes styles et je vais lui dire, hop, c'est italique. Voilà, on a l'équipe de choc qui va être prête à être présentée. Euh, combien j'ai de membres dans mon équipe, d'après vous Allez, donnez-moi un, euh, un nombre utilisable parce que je ne suis pas tout seul dans mon équipe, hein. je ne bosse pas tout seul, et je pense qu'en en entreprise, vous bossez aussi rarement tout seul. Eh bien, je vais pouvoir lui dire, allez, je vais chercher des visuels, et pour peupler cette équipe, je vais chercher dans Adobe Stock des, euh, des portraits Hop. en photo, et je me rends compte que dans Adobe Stock, je peux constituer des portraits, je peux retrouver pas mal de portraits d'utilisateurs, mais je peux les retrouver soit unique, soit en mode diversité ici, soit en mode comment ils l'ont appelé celle-ci, check, euh, collage with many business people. Donc je vais pouvoir choisir et je vais pouvoir choisir plusieurs portraits, j'avais mis un S, j'aime bien cela, il euh, y a pas mal de choses mais si vous êtes plutôt en mode euh, UX et vous voulez présenter par exemple des personas, bah, demandez lui d'aller chercher plutôt des illustrations plutôt des vecteurs et vous allez retrouver des personas pour définir votre équipe ici je vais rester sur les photos parce que j'aimais bien euh, ce que j'avais trouvé au départ, je vais prendre celle-ci et je vais tout simplement la glisser sur, mon... sur ma page Alors, il me dit d'abord attention tu l'as pas encore je vais aller charger la photo, bah si elle était déjà en train de se charger, et je vais vouloir la placer. Donc comment je la place Je la prends depuis ma bibliothèque et je glisse le contenu de la photo. Sauf que là, j'ai fait un élément très très grand. Alors 13, c'est une grosse équipe qui a Niki. Blue Cobalt me propose 6. Je vais, euh, je vais réduire pour de vrai. Parce que sinon, on va passer du temps à fabriquer des contenus. Hop, j'ai une toute petite équipe euh, sur laquelle eh bien, euh, mon manager principal, ça va être lui. On va lui donner un nom. On va l'appeler Adam. Euh, comme ça, ce sera A. Ensuite, il y aura, euh, il y aura le suivant. Hop, je vais prendre mon contenu, je vais le caser ici, je recadre, hop, je tire un tout petit peu, je trouve que ce serait rigolo de l'avoir de manière euh, que ce serait rigolo que le format soit carré, la largeur c'est 278, on va mettre la même ici, hop, 280, flèche du bas, 78, moins 2, voilà, hop, et donc j'ai bien un format carré pour cette vignette, mais euh, je me dis, ouais, en ce moment, les présentations de visuels c'est plutôt des cercles, alors on va aller chercher dans le menu objet, on va convertir la forme et on va la convertir en ellipse. Hop, je l'ai converti en ellipse. J'aimerais bien avoir un petit filet autour, hop, on va lui mettre un petit filet. Alors 20 c'est beaucoup, 10 c'est peut-être pas assez, 14 c'est pas mal. J'aime bien ce style avec la petite vignette dedans, avec le personnage qui est centré, on est plutôt, euh, plutôt bien dedans. Je vais vouloir l'utiliser régulièrement. Comment je vais l'utiliser régulièrement Eh bien je vais prendre mon objet. Et cette fois-ci, de la même manière qu'on avait des styles de caractères, de paragraphes, on a des styles d'objets que vous retrouverez dans le menu fenêtre, style, style d'objet si vous en avez besoin. Et de la même manière que j'étais allé chercher divers éléments, je peux retrouver ici un panneau qui va me permettre de trouver les styles d'objets. Et donc de créer un nouveau style d'objet. Et ce style d'objet, ce sera par exemple une, euh, un portrait. Hop, portrait. Et le portrait, eh bien, il comportera mes informations de contour, de fond, etc. Je pourrais tout retrouver dedans. Ça, ça va être pratique. Je vais dire, ok, j'ai bien le style d'objet, pardon, portrait qui est appliqué. Ce qui fait que maintenant, si je viens placer une autre image, hop, je reprends cette image-là, je vais la placer. Je décide de me focaliser sur euh, Mademoiselle Bérénice. Voilà, on avait Adam, Bérénice. Hop, je les place comme ça. Je l'agrandis. Je prends mon style d'objet. Je vais lui dire, hop, c'est un portrait. Vous allez me dire, ok, c'est pas mal, mais du coup, on n'a plus le cercle. Alors, si j'ai plus le cercle, je peux tricher pour avoir le cercle. Soit je convertis en ellipse, comme tout à l'heure, soit je vais utiliser ici, pour ceux qui connaissent à l'intérieur d'InDesign, le petit carré jaune qui me permet d'arrondir les angles. Hop, Et je vais arrondir mes angles. Mais alors, attention, quand je fais ça, je n'ai pas la même courbure que euh, sur le précédent. Donc méfiez-vous, c'est peut-être pas ça que je vais utiliser dessus. Moi, perso, sur ça, je vais avoir tendance à vraiment aller chercher convertir la forme en ellipse, ce sera toujours un petit peu plus élégant. Et donc voilà, Adam, voilà Bérénice, mon équipe s'agrandit. J'ai besoin de dupliquer euh, et d'avoir plus de membres sur cette équipe. Eh bien, regardez ce que je vais faire. Je vais prendre mon, je vais prendre Bérénice. Je vais utiliser la touche Alt. Je vais dupliquer, mais je vais pas juste dupliquer à côté. Je vais dupliquer un peu plus loin. Et une fois que j'aurai fait ça, je vais relâcher la main, je vais faire flèche de droite, une, deux, et vous avez peut-être vu apparaître très légèrement en carré deux petites autres euh, vignettes qui vont me permettre de créer d'autres portraits. Et voilà comment je vais choisir mes images. Enfin, un truc qui nous servira beaucoup, c'est que ici, j'ai choisi les portraits de mon équipe. Mais si je souhaitais, je pourrais déplacer via l'anneau et choisir l'image. Mais ce n'est pas facile de cadrer. Donc je vais appuyer doucement et là je vais être en mode utilisateur patient. Et donc on va choisir un autre personnage pour mon équipe, lui. On va choisir ici, j'appuie, je patiente, et je vais choisir une autre utilisatrice. Voilà, hop. Et un dernier dans mon équipe. Un dernier équipier peut-être un petit peu jeune. Pardon, on va venir sur la bonne image, sinon ça ne marche pas. Je patiente. Voilà, ou euh, le collaborateur avec de l'expérience et des lunettes bizarres. Donc j'ai bien placé, j'ai bien créé mon équipe de choc. Ça va pour vous Style d'objet souvent oublié. Ouais. Ouais, la duplication multiple, c'est assez cool quand même. Est-ce que ça vous va comme, euh, comme première approche Ouais. Ça vous aurait servi il y a un mois. Je suis désolé, Daniel, hein, j'arrive toujours un petit peu tard sur les sujets. On ne peut pas tout faire non plus. Maintenant, j'ai envie de définir cette équipe. Alors, j'ai plusieurs choix. Si j'avais réellement des photos individuelles de mes collaborateurs, je pourrais sans aucun problème utiliser ce qu'on appelle via le menu objet ici des légendes. Et j'aurais pu créer des légendes et j'aurais pu lui demander sur un visuel, créer, légende, générer une légende dynamique. Et générer la légende dynamique, ça m'aurait permis d'avoir le nom de la photo par exemple ou le nom de l'auteur. Ici, c'est diversity. Là, je vais pas le faire de cette manière là. On va juste se créer un grand bloc. Et ce qu'on va rappeler à tous nos utilisateurs, c'est que on peut créer un bloc où on peut utiliser des tableaux. Et donc, je vais ici créer un bloc, un grand bloc texte avec donc on a dit Adam, on a Bérénice, on a Christian. On a... Euh, comment elle va s'appeler Donnez-moi un prénom de fille qui commence par D. Denise. Voilà. Et on a Edgar. J'ai tous ces prénoms, je leur applique un style de paragraphe parce que j'avais commencé tout ça, c'est du core slide. Core slide, c'est pas mal. Maintenant, je trouve que ça aurait été intelligent en fait que tous mes prénoms soient en dessous de mes, de mes personnes. Eh bien, je lui dis que sur ce, cet élément-là, on n'a pas un bloc avec une colonne, mais on a un bloc avec cinq colonnes. Sauf qu'il ne me remplit pas mes colonnes. Et en plus, mes colonnes, elles sont à 12. J'aurais souhaité avoir peut-être le 36 qu'on a appliqué partout. Et je vais pouvoir lui demander un petit truc intéressant sur les colonnes, c'est de les équilibrer. Et juste en faisant l'équilibre des colonnes, et eh bien tous mes utilisateurs vont être casés exactement au bon endroit. Donc ça, ça va nous servir, euh, je le pense, là-dessus. Et quand je regarde ça, je me dis c'est pas mal, mais malgré tout, je regrette un petit peu ce que j'ai fait tout à l'heure sur l'épaisseur du filet et la couleur. Alors, je vais reprendre mon premier, je vais reprendre Adam, je vais lui demander de diminuer un peu l'épaisseur du filet, et je vais lui mettre pour le filet, eh bien, la même couleur que ce qu'on a mis sur le texte. Donc, je vais prendre cette couleur-là. Et comme j'ai pensé à faire un style d'objet, eh bien, je peux venir sur mon panneau de style d'objet, redéfinir le style, et comme ça, tout le monde a exactement la même couleur. Et dans mes styles d'objets, si j'ai besoin, dans les options de style, eh bien, je vais retrouver des informations, notamment sur le dimensionnement des blocs, sur les options de blocs de texte, les marges, etc., les lignes de base, sur les options d'objets ancrés, sur les ajustements. Est-ce qu'il va y avoir un recadrage spécifique Est-ce que l'ajustement va être fait directement Les options de taille et de position. La taille, on va pouvoir la régler hauteur et largeur. Je souhaite avoir du euh, 280 pour tout le monde voilà, OK. La position pas forcément et je vais dire OK, tous mes blocs vont être ajustés de la même manière. Alors par contre, j'ai fait une petite bêtise dans le style d'objet, j'ai dû lui demander de gérer le recadrage. On va vérifier ça, hop, option de style. Je vais pas lui demander de gérer le redimensionnement automatique, l'ajustement automatique, hop, on va pas le faire parce que si je le fais pas, euh, ça évitera qu'il redimensionne tous mes objets. On va valider en cochant aperçu. Voilà. Par contre, on va bien changer la taille. Et on va la régler en hauteur et largeur. Voilà. 286 par défaut. Et vous voyez que directement, je peux modifier ces informations-là sur mes objets. Est-ce que vous ne trouvez pas ça un petit peu fou quand même Ouais. Ouais. Parce que moi, oui. Hein. Honnêtement, le jour où j'ai découvert ça, j'étais tellement, tellement heureux. Je vais reprendre tous mes objets, on va tous les aligner sur le haut, on va tous les répartir, voilà, pour être sûr que tout soit bien. C'est une grande équipe, c'est un grand projet. Hop, grande équipe, grande responsabilité, tout ça, tout ça, grand pouvoir. Uh, InDesign est très puissant pour ça. Comment anéantir des années de exécuter et répéter avec une fonction simple? Ouais, la duplication. Avec InDesign il est possible de sélectionner plusieurs fichiers, et de choisir les flèches euh, avec les flèches lesquelles importer, ouais tout à fait. Adam fait un peu peur, ouais il a un petit air de psychopathe, mais c'est le premier que j'ai engagé. Euh, je me serais pris la tête avec un tableau et des cases transparentes. on va se prendre la tête avec un tableau quand même, euh, daniel, parce que euh, avec le tableau, on va avoir moyen de faire des petits éléments que j'aime bien qui sont les éléments de planning et d'avancement de contenu. donc, on a vu euh, si je reprends majuscule w ma mon titre, c'est bon. on est pas mal. Mes slides, on a du texte, on a du titre de slide, on a du titre avec un style de, de paragraphe. Maintenant, pour terminer un petit peu sur la session, j'avais envie de vous faire un petit truc rigolo avec euh, du tableau d'organisation. Alors un tableau, c'est quoi Je vais créer un tableau. Je sais que j'ai besoin de travailler sur un planning. Allez, on va travailler sur un planning de, de 12 mois. Voilà, donc 12, euh, non pas 12 lignes, mais 12 colonnes. Je sais que j'ai un tableau avec 5 euh, projets qui seront importants dedans. Je lui dis OK et je vais pouvoir tirer mon tableau. Je veux que mon tableau de planning fonctionne de cette manière-là. Ce qui va être intéressant pour nous là-dedans, c'est que je vais pouvoir lui demander de faire Échappe quand je suis dans un tableau. Si je fais Échappe, je sélectionne une case à la fois. Cette case, je vais pouvoir lui donner un style et donc je vais faire échappe, j'ai tout sélectionné, commande ou contrôle A, et je vais lui dire rien du tout à l'extérieur et rien du tout en sélectionnant là-dedans, on va bien mettre 0. J'ai pas besoin de voir les lignes de mon tableau. Par contre, ce qui va m'intéresser, c'est que je vais dire qu'il va se passer des trucs de janvier à mars. On va avoir par exemple sur tel contenu, on va avoir telle couleur de planning. Avril, mai, il se passe rien. Juin, juillet, c'est d'autres périodes sur lesquelles il se passe du contenu. Août, septembre, c'est calme. Et pour la fin de l'année, on est sur une autre partie du, du planning. Je vais avoir ça. Je vais avoir aussi, je vais séparer un petit peu la ligne, je vais avoir malgré tout des opérations qui vont courir sur ces mois-ci, que je vais pouvoir retravailler, que je vais pouvoir compléter. Et je vais avoir des opérations qui vont travailler et qui vont courir euh, là-dessus. Alors, je me rends compte que j'aurais pu utiliser le style. Là. Je vais Copier, je vais pouvoir couper, échappe X, coller, échappe V. Je vais pouvoir récupérer le style, échappe X, échappe V. Je vais pouvoir fabriquer facilement ce planning. Copier, échappe, coller. Et donc ça va être assez simple de prévoir des contenus là-dedans. Ce qui sera bien, c'est que comme j'ai des couleurs relativement foncées, je peux prendre mes trois cellules et je peux les fusionner. J'ai une petite case ici pour fusionner ou au contraire annuler la fusion des cellules. Je fusionne mes cellules et donc là on va l'appeler opération... opération 1. Je vais lui mettre un style, enfin je vais appliquer un style, je vais appliquer mon corps de slide. C'est un peu grand parce que par la suite, quand j'aurai que deux cases, je ne pourrai pas m'en sortir. Eh bien je lui dis que je veux euh, pour cette, ce document que ce soit centré. J'aimerais que le texte euh, soit non pas en couleur mais qu'il soit peut-être en blanc, comme ça je le vois bien. Et j'aimerais bien que dans ma cellule, hop, échappe, dans ma cellule, mon texte soit centré. J'ai mon contenu et on s'est dit le texte est un tout petit peu plus petit. Voilà, hop, 52, 48, ça a l'air de bien rentrer. Et donc, ça, je vais en faire un nouveau style de paragraphe, mais ça, vous l'aviez compris. Nouveau style de paragraphe ici, euh, ça va être contenu cellule. Ok. D'après le corps de slide, on a bien la taille plus petite, la couleur papier, l'alignement centré. Il est bien appliqué à la sélection. Je lui dis ok. Je reprends ici mes cellules et je vais lui dire qu'on va les fusionner, que ça va être euh, autre opération. Je vais chercher mon style. J'ai pas envie d'aller rechercher, mon... rechercher mon style là-dedans. Je vais faire commande ou contrôle entrée et je vais écrire euh, cellule. Hop, CE2L, contenu cellule. Par contre, vous voyez que ici, mon... le côté vertical sur mes cellules n'a pas été pris en compte. Échappe. Ici, en fait, ce style-là, cette mise, euh, le fait de centrer ou pas le bloc, c'est un attribut non pas de texte, mais de la cellule en tant que telle. Et je me rends compte que j'ai des attributs qui concernent ici les styles de cellules. Je vais faire un nouveau style de cellule et je vais lui dire que c'est centré. Hop. Voilà. Et du coup, ce style centré, eh bien lorsque je vais refusionner des cellules ici et je vais dire hop, finalisation je vais pouvoir lui dire qu'on va utiliser le contenu de cellule Contenu de cellule, ça c'est bon, mais j'étais pas obligé. J'aurais peut-être pu lui dire aussi, j'aurais bien aimé qu'on fasse centré. Voilà, centré. Mais centré, j'ai pas tout dedans. Eh bien, regardez bien, quand je vais sur ma cellule, que je regarde le contenu centré et les options de style, dans les options de style, je peux utiliser pour le texte le fait de. Je vous ai dit une bêtise. J'avais super envie, voilà, si, style de paragraphe, contenu cellule. Je me suis fait très peur, je me suis dit, je vous présente un truc qui n'existe pas. Mais si. Voilà. Et du coup sur chacune des cellules, ici je fusionne, je lui dis OP, OP2, op échappe, et je vais lui demander d'avoir le style de cellule centré, Hop, avec le bon texte, la bonne couleur maintenant j'aurais bien aimé mettre un petit texte je vais prendre toute cette ligne là je vais lui dire qu'elle fait pas en hauteur 103 mais qu'elle fait peut-être 60, 48, allez 1, 2 48, je la trouve plutôt pas mal euh, et je vais dire que cette, ce contenu là est fusionné ce contenu là ça va être toutes mes... oh pardon, toutes mes opérations je vais appliquer le contenu de cellule mais ça va être trop grand, ça va pas être la bonne couleur, c'est pas grave, je reprends mon texte, je le mets un petit peu plus petit, je vais lui demander de le ferrer à gauche, je vais lui demander de changer la couleur du texte directement, hop, on va reprendre ce contenu-là, du coup, hop, encore plus petit, 30, allez, 32, c'est pas mal. Je valide cette chose-là, et je lui dis que ça, c'est mon nouveau style de paragraphe, j'espère que vous avez compris le concept de style de paragraphe, hein. hop en tête planning. Ok. Je vais pouvoir prendre ici toute cette série-là, les fusionner, appliquer le fameux titre en disant hop, secondaire, par exemple. Et là, je reprends mon style de paragraphe en tête planning. Sauf que, bah, du coup, ici cette information là avec le centrage etc elle devait venir au dessus et eh bien quand j'ai sélectionné toute ma ligne avec la petite flèche sur le côté hein, je ne sais pas si vous l'avez vu quand je suis sur le côté je sélectionne toute la ligne voilà. et eh bien je vais avoir aussi un petit curseur qui me dira que là je vais manipuler juste la disposition en fait de mes colonnes hop secondaire check disposition de l'une et de l'autre ça va ça ok on n'a jamais fini de redécouvrir des choses. Pardon, je vous ai un peu abandonné pendant que j'étais en train d'avancer. Euh, pour les angles arrondis, nanana. Ouais. Et là, en trois clics, Franck fait pareil. Bah ouais, c'est un peu le principe. Hein. C'est pour ça que je suis là avec vous. Les styles, c'est la vie. Les styles permettent de, un gain de temps énorme. Euh, ok. Y aura-t-il une rediff Vous êtes déjà sur la rediff, Ronan euh, pas mieux, pas mieux, il y a déjà un replay. Question piège, je suis sur Overing Art Director et je viens de voir en disant j'aurais aimé 6 persos par ligne. Est-ce qu'une design sera capable de passer de 5 à 6 colonnes Ouais, sans problème. Je remonte sur ma page euh, là-dessus. Vous êtes mon Overing Art Director, ça fait toujours plaisir. Euh, déjà, je vais lui dire qu'on va rajouter un membre à l'équipe. On va être malin, on va le mettre plutôt après, c'est le dernier arrivé. Hop, on décale tout le monde. Voilà. une fois que j'ai décalé tout le monde je décale Edgar et je choisis mon sixième membre hop après Edgar nous allons avoir Fanny, je présente Fanny je trouve ça drôle hop, entrée, Fanny et sauf que là je suis sur 5 colonnes donc je lui dis qu'on passe à 6 et voilà comment on arrive à compléter son équipe juste comme on veut A, B, C, D, E, F, tout va bien j'ai réussi à créer une équipe plutôt sympathique. Euh, ça sent le vécu, ouais, ça sent le vécu, hein, c'est un peu le principe de tout ça. C'est que vous créez des styles, vous les réutilisez, vous les appliquez, et quand vous faites majuscule W, vous vous baladez dans vos tableaux, vous organisez un petit peu tout ça, vous faites attention, tiens là j'ai oublié sur mon tableau les petites zones. Je vais lui redemander ici de reprendre le tableau des opérations, hop, de créer un nouveau style de cellules qui sera les intercellules. OK. De l'appliquer ici. Hop, appliquer le style de cellule Intercell. D'ailleurs, dans mon Intercell, peut-être qu'il ne me prend pas la taille. Il faudrait que je regarde ce que j'ai comme option là-dedans. Nouveau style de cellule Intercell. Option de style. Hum. Marge de cellule, texte, général de ah, cellule, couleur et fond. Ah non, tiens, dans les styles de cellules, j'ai pas forcément la hauteur de la cellule. Ah, je suis très déçu. Je suis très déçu, je pense que ça fera l'objet de ce qu'on appelle une feature request. Voilà. Donc, j'ai gardé ça. Et puis surtout, ici, je vais pouvoir copier ma cellule. Je vais pouvoir éventuellement, ici, rajouter une ligne. Hop, je suis passé de 5 à 6. Et je vais pouvoir lui dire, eh bien, cette dernière ligne, on va aller dupliquer la cellule au milieu et on va pouvoir lui demander de sélectionner ici et de remettre je crois qu'on était à 48 en termes d'espace les différents éléments de notre plage voilà pour vous est ce que ça vous va j'ai pas du tout traité du, de, du dernier onglet qui était visualisé et exporté je le fais très rapidement pour conclure donc je sauvegarde mon tableau pour l'instant je ne l'ai pas encore fait ça c'est ma première présentation sur le bureau, toujours sauvegarder, ça vous évitera de planter vos documents. Cette présentation, elle me plaît bien, je souhaite la visualiser. Si j'en suis le seul auteur, euh, majuscule W, je passe de l'une à l'autre, ça vous aviez compris, je l'espère. Maintenant, si je souhaite changer les choses dans ma présentation, eh bien, je vais pouvoir à tout moment euh, lui dire que le, le style de caractère, j'aimerais bien prendre autre chose que la Flight Micro. J'aimerais bien aller chercher, euh, qu'est-ce qu'on a comme fonte? On va, on va regarder, on va tester. Hop. On va faire quelque chose de très différent pour que ça passe bien, pour que vous le voyez. Voilà, j'aime bien la Acumine Pro Fine. Je vais lui dire ok, je change cette, ce titre là. Je reviens ici dans mon paragraphe. Je vais lui dire ok mon style de paragraphe là, on va le redéfinir. Mais comme je l'ai changé là, et comme j'avais fait des styles d'après le reste, tout mon document a changé. Je décide de changer d'image et de changer de thème coloré. Je pourrais changer de la même manière l'ensemble de mes couleurs. C'est pas magnifique ça Si ça vous plaît Et je termine en exportant, menu fichier, exporter. Je peux aller prendre un, une option prédéfinie. Ici, ça va être plutôt un, un paramètre de qualité supérieure puisque je souhaite le regarder sur un écran, peut-être pour l'envoyer par la suite. Ma première présentation au format PDF. Je laisse tel quel, j'exporte. Oui, il y a du texte en excès, mais ce n'est pas très grave. Maintenant, quand je vais regarder cette présentation, je vais pouvoir la fournir à mes différents clients et retrouver le, la mise à jour de tout ce contenu là ce qui fait que quand vous allez vous retrouver euh, par exemple sur du, sur du récurrent vous avez un autre client vous souhaitez personnaliser par rapport à ce client et eh bien vous changez une image de fond vous changez une fonte qui corresponde un petit peu mieux à ce que lui proposait à son univers et vous pouvez poursuivre de cette manière là voilà euh, où est ce qu'on en est là est-ce que toute la présentation sera nickel en moins de deux Ouais, ouais, tout à fait. C'est un peu l'idée, c'est plus facile. On utilise les mêmes styles, on fait de l'application rapide, c'est toutes les choses qu'on a vues ensemble. Euh, c'est peut-être dans le panneau info, la hauteur de cellule, ouais, mais sauf que je veux pas la connaître, je veux l'appliquer. Et je ne l'ai pas trouvé, Mais bon, c'est pas très grave pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi durant cette session, cette session qui a été assez, euh, assez vive et assez rapide. On est d'abord allé chercher du contenu via Adobe Stock, on est allé utiliser des styles pour les textes, pour les objets, et on a visualisé notre présentation directement. Si c'est sur ma machine et que j'ai ma licence InDesign, je peux le faire, ou l'exporter au format PDF. Voilà, bonne fin de journée à tous. On se retrouve à midi sur une session euh, bricolage d'images qui bougent. A très vite